Bon, on doit faire vite, ce n'est qu'une présentation. Tu dois comprendre en 1 minute 30 à quoi ressemble la fac de droit. Mais au fait, c'est quoi le droit ? Bah oui, tu n'en as jamais fait. Pour faire de la théorie, disons que c'est un mode d'organisation de la société. Il organise les institutions publiques, c'est-à-dire le droit public, mais aussi les rapports privés et économiques. C'est le droit privé. Tu vas poser la question. Le droit, ce n'est pas que du par cœur ? Oui, le droit, c'est du par cœur. Mais ne va pas te tromper, c'est loin de n'être que du par cœur. Il va te falloir de la logique, de la curiosité, de la culture, de l'audace. Il faut raisonner pour argumenter. Ça, c'est le boulot de juriste. Pour cela, il va falloir travailler. Apprendre la méthode, les cours, sans un travail régulier et rigoureux, la fac va être moins drôle. Tu as peur concernant tes qualités rédactionnelles ou d'orateur ? Soyons clairs, le juriste doit avoir ses qualités. Savoir écrire est une nécessité, tant la rédaction occupe une place importante dans la vie des juristes. Savoir s'exprimer à l'oral est tout aussi important. Les citoyens, tes clients, vont te demander d'être clair tout en étant rigoureux, et de les défendre efficacement. Mais pas d'inquiétude, ce qui te semble impossible à l'heure actuelle te semblera une formalité dans quelques années. Enfin, tu te poses des questions sur ton futur. Avocat, peut-être, mais pas que. Les professions juridiques sont très variées. Le juge, le commissaire, le professionnel des difficultés des entreprises, le notaire. Mais surtout, le droit mène à tout. De nombreux étudiants en droit ont des vies professionnelles loin du droit. Commencez par suivre ce MOOC. Les témoignages, les cours, les diverses explications, les exercices vous donneront une représentation active de ce qu'est le droit et les études de droit.